Alors, ici, Atta d'Ishmaïa, cette semaine, Parashat Para. Parashat Para, c'est la paracha donc, qui parle du processus de purification du Ham Israël en perspective de Chanukat HaMishkan et du Korban Pessah, puisqu'on ne pourra véritablement célébrer Pessah qu'en situation de pureté. Alors, quelle est la singularité de Para Aduma? On sait qu'il y a différentes façons. Quand est-ce qu'on a besoin de cette vache rousse? De quoi elle parle? Pourquoi elle est nécessaire? Alors, il y a différentes façons de contracter une impureté. On peut contracter une impureté au contact d'un animal mort, d'un reptile mort. On peut contracter aussi une touma au contact d'un homme mort. Différentes façons de contracter une touma. Et les halakhot, la façon de contracter et le processus de purification diffèrent. Par exemple, comment on contracte une touma en contact d'un reptile mort? Bemaga, lorsqu'on le touche. Si on le porte sans le toucher, il n'y a pas de touma. Maga, un animal mort, on contracte la touma, pas simplement en le touchant, mais aussi en le portant. Même si on le porte, touma t'massa. Et quand on vient en contact avec un juif, l'avdil, un juif mort, c'est touma toel. Même dans l'OL, on contracte une touma. Le processus de purification aussi diffère. Toutes les impuretés peuvent être nettoyées dans le mikvé, avec le mikvé. Mais quand on est en contact avec un homme mort, alors là, ça ne marche plus. Le mikvé ne suffit plus. Il faut impérativement la faire par Adouma. Par Adouma, donc un processus de purification très plus long, de 7 jours, avec Aza, l'aspersion. Le troisième jour, le septième jour, donc tout un processus de purification. Et donc, aujourd'hui, par exemple, nous sommes tous Tmei Metim. Inévitablement, on est tous Tmei Met, parce qu'on n'a pas le paradouma, même si on va mikvé 25 fois, on est Tmei Tumat Met, c'est pour ça qu'on ne peut pas monter sur le Harabait. Même si quelqu'un il se purifie de Tumat quelconque dans une source, pas simplement un mikvé, il est tamé tout matmet, il peut pas. Il faut faire para aduma. Et ceci étant, quand on va lire la paracha de para, alors a priori on se souvient d'une instruction qui a été donnée de se purifier avec la cendre de cette vache rousse pour célébrer Pessah. Mais bon, ça n'a rien malheureusement de trop actuel. Alors, on va essayer de voir comment actualiser un tout petit peu ça, goûter un petit peu à cela. Quand on observe la Haftara, très intéressant, quand on observe la Haftara, on se rend compte que la Haftara, donc de Parashat Para, on nous parle de l'impact de la pureté qui dépasse simplement l'aspect halachique de technique de la Toumat Met. Je cite, il y a marqué. Mais la carte est très, c'est un passage de Yechezkel. Mais la carte est très minagoyim, et qui bâtit est très mikola aratzot. Donc, dans un avenir prochain, Kadosh Baruch Hu nous annonce qu'il va nous réunir, nous rassembler de tous les pays. Veveti et trem el admatrem, et je vous ramènerai vers votre terre. Vezarakti alechem maim tehorim utahartem, mikol tum oteichem ou mikol giluleichem ataheretrem. Donc Hachem va nous purifier de toutes nos impuretés, de toutes nos souillures. Venatati lachem lev chadash. Veruach chadasha eten bekir bechem. Hachem nous donnera un cœur nouveau, un esprit renouvelé. Vaasiroti et lev haeven mikir bechem, mibsarchem. J'ôterai le cœur de pierre que vous avez en vous. Venatati lachem lev basar, et je vous offrirai un cœur de chair. Donc quelque part aujourd'hui, avant cette purification promise, on a un cœur de pierre par rapport à ce qu'on devrait avoir. On devrait avoir un lev basar. On nous promet bezrat Hashem un lev basar, mais maintenant on a un lev à even. Et ça fait partie de la purification. Remplacer. Zarakti Achabem Théorim, Hachem, il choisira le processus qui viendra. Je ne sais pas comment. Paul Polim, il promet de Zarakti Achabem Théorim. Badaï, qu'il y a une Kedusha spéciale. Mais en tout cas, le Baïm Théorim, qui fait allusion donc
Meipara, Aduma, donc il y a une eau qui va le purifier, et qui va, donc ça veut dire, on parle d'impureté qui a pour conséquence un cœur de pierre. Et la purification va nous offrir un cœur de chair. Natati lachem lev chadash, ruach chadasha, pas simplement, donc lorsque le cœur est nouveau, et un cœur de chair, alors, ça nous donne un esprit plus dynamique. Ruach chadasha eten bekirbechem. Donc ça, tout ça, c'est l'impact de la pureté retrouvée. Donc on voit que la pureté n'a pas uniquement pour objectif l'aspect technique l'aspect technique, donc de pouvoir avoir accès à certains lieux, de pouvoir manger de la tourba, des korbanotes. Mais c'est aussi donc dans le Rouhani, le cœur. Quelqu'un d'impur, il a un cœur de pierre, et quelqu'un de pur, il a un cœur de chair. C'est ce qui est marqué dans l'Aftara. On va essayer de voir très rapidement comment l'impureté nous condamne à avoir un cœur de pierre et comment la pureté nous offre un cœur de chair. Où est le lien entre la pureté et l'impureté? A priori, le pureté et l'impureté, c'est un aspect technique. Quel rapport avec le cœur? Or ici, le texte est clair. L'impureté, c'est lev even, et la pureté, c'est lev bassar. Lev chadash, lev bassar. Babchat. En réalité, quand on voit, on va utiliser juste quelques petites références à la rik de la Touma, et on l'adoptera donc à ce cœur de chair qu'on nous offrira avec la pureté. C'est quoi la règle d'or est la suivante. Plus quelque chose est vivant, moins il est impur. Moins il est vivant, plus il peut contracter de la touma. Là où il y a de la vie, il n'y a pas d'impureté. Je donne un exemple. Est-ce qu'un animal peut contracter une touma de son vivant? Jamais. Une béma, elle est vivante. Jamais, elle peut rentrer là où elle veut. Elle est vivante, elle ne peut pas être touma. Ça n'existe pas. Est-ce qu'un fruit attaché à l'arbre ou au sol peut contracter une touma quelconque? Un tamé, il touche la pomme qui est sur l'arbre 25 fois. Elle est touma? Jamais. Tout ce qui est rattaché à sa source et vivant ne peut pas contracter de touma. Lorsque le fruit se détache et qu'il est mourchar le kabel touma, il peut contracter une touma. Mais sinon, il ne peut jamais être mekabel touma. Ça veut dire que la touma, c'est tout ce qui est quelque part déconnecté de sa source de vie. La touma, c'est ce qui... C'est une réalité qui obstrue et qui empêche quelque chose d'être animé de la vitalité qu'il mérite. Et paradoxalement, un goy de son vivant ne peut jamais, mideoraita, je précise, contracter une touma. Jamais. Un goy vivant ne peut pas être tamé. Ça n'existe pas. Mideoraita, il ne peut pas être tamé, un goy vivant. Un juif vivant peut être tamé. Zotru kata Torah. Pourquoi est-ce qu'un juif vivant peut contracter une touma alors qu'un goy, midoraita, il n'est pas tamé? La réponse est que la vitalité du goy, c'est manger, boire, dormir, danser. Tant qu'il a ça, il ne peut pas être mekabel touma. Par contre, le yéhoudi, c'est quoi être vivant? C'est quoi être vivant chez le yéhoudi? C'est... Tzadikim bemitatam kruim haim, rechaim bechayem kruim metim. C'est être animé du rayonnement de sa neshama. C'est ça, la vie chez un juif, c'est pas une vie, animale entre guillemets. C'est une vie avec animée d'une énergie très très abondante. Et comme tout ce qui est vivant, tout ce qui est animé de toute sa vitalité ne peut contracter de touma, y a pas, ça n'existe pas. Donc le Yehudi, quand il contracte une touma, quelque part, la vitalité de sa neshama, c'est-à-dire sa vitalité profonde, spirituelle, l'énergie de sa neshama, quelque part, est obstruée par cette réalité de touma, qui a pour étymologie d'ailleurs, otem, atum, quelque chose qui obstrue. Et quand quelqu'un n'est pas animé de tout le rayonnement de sa neshama, alors effectivement, il devient plus insensible. Il y a des choses qui ne lui parlent plus, il y a des choses qu'il ne ressent plus. Il a une compréhension bien, bien moins élevée que lorsque la neshama l'imprègne et qu'elle lui offre un rayonnement, une clarté
est digne de ce nom. Les Averot, ça c'est la définition de la Touma. C'est pour ça que le Yehudi, ben, alors de la même façon qu'il y a une réalité donc, de Touma à la Chik, il y a aussi une réalité de Touma Sgulit, c'est-à-dire les Averot, il y a marqué dans la Torah, marqué dans la Torah que Avera metam temet libo shel adam. Avera metam temet libo shel adam. Ça veut dire que ce que le contact avec un mort pourrait faire, et qu'il y a un processus de purification qui obstrue la vitalité de la Neshama, l'énergie de la Neshama d'après l'homme, et ça, c'est les conséquences halachiques. La Avera nous dit la Torah aussi, quelque part, souille et obstrue, et empêche le rayonnement, l'énergie de la Neshama d'imprégner totalement l'être. Et là, il devient tamé. Et avi avot atum'a concernant cela, c'est ma'achalot asurot. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un mange des ma'achalot asurot, alors effectivement, donc ça obstrue. Ouais, il y a marqué que HaKadosh Baruch Hu, il n'amène jamais de takala, l'idée de tzadikim concernant ma'achalot asurot. Il peut avoir des takalot, comme on sait que Rabbi Ishmael kara ve'ita, comme c'est marqué à Gavardon Shabbat, aval ma'achalot asurot, non. Pourquoi? Parce que ma'achalot asurot, c'est tellement dramatique, ça... c'est-à-dire dans la clarté de pensée. Je sais pas, vous avez des gens qui ont plein de questions sur certains sujets, mais ils se gavent de ma'achalot asurot, ils ont des questions. Quand quelqu'un il se gave de ma'achalot asurot, on se demande bien comment il pourrait saisir quelque chose de clair et de net, au-delà donc de certaines bases. Ça, c'est donc le yesod, de la Touma et la Tara. Au-delà, comme nous dit l'Aftara, au-delà de l'aspect technique à l'Achrique, d'être en contact avec un mort, pratiquer quelque chose qui abîme, qui est obstru, c'est aussi générateur de Touma, parce que ça crée une chatzitsa entre le hors de la Neshama qui n'imprègne pas totalement l'être, comme tous les Svarim nous le disent, le Sfat Emet, le Shem Mishmuel, à leur tête. C'est pour ça que Vezarakti Alechem Maim Tehorim. Quand quelqu'un fait une avera, il tue quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui qui est mort. Parce que cette sensibilité, ce rayonnement que la Neshama lui offre, elle est atteinte. Donc il devient insensible. Pardon ? Non, il y a tchouva à tout. Mais voilà, et là, on va tout de suite arriver à cela. Mais en tout cas, il tue quelque chose en lui. Parce qu'il est plus animé de cette vitalité. La Avera tue quelque chose en lui. Ouais, quand il veut Avera, il tue quelque chose en lui. Parce qu'elle n'est pas... La Neshama, qui est l'énergie qui anime, cette vitalité qui anime le juif, qui lui offre son dynamisme, cette sensibilité, cette clarté, elle est obstruée quand il y a une Avera. Donc oui, il y a quelque chose en lui qui est mort. Alors, d'ailleurs, le Rabbi Nathan Ibishit, dans Yarod Vash, si je me souviens bien, dit que dans la Hamida, on dit que Mechayem Etim Ata. Rav Leoshia, Mechayem Etim Ata. Ouais, c'est-à-dire qu'Hachem au... Michalkel Chaim Bechesed, Chaim Etim Ata, Chaim Etim Rachamim Rabim, etc. Et on parle de Triat Amitim au présent. Il dit parce qu'Hachem, des fois, certaines personnes ont tué quelque chose en eux, ils ont rendu. Donc, c'est quoi la mort? C'est l'insensibilité. La vie, c'est la sensibilité. Lo Amitim, Ya Alléluia, Velo Kolior de Douma. Ouais, ça veut dire que le maître, il est insensible. Il est insensible, il n'y a pas de réaction. Il est comme ça. Il est insensible, il n'y a pas de réaction. Le vivant, il réagit. Ouais. L'insensibilité, la avéra génère une insensibilité. Donc s'il génère une insensibilité, il va falloir faire retrouver. Ça, c'est le lev chadash. Cette semaine, donc, il y a un vent de pureté qui va souffler et qui nous aide, si nous le souhaitons, à nous débarrasser de certaines tumot qui occultent et qui empêchent la neshama à son rayonnement, n'est-ce pas? Je leur dis des fois, quand je suis avec des plus jeunes, je leur dis, voyez des fois des jeunes de 18 ans qui ont le visage, malheureusement, Hachem Yatzilenu éteint. Ils sont fatigués, las, et ils n'ont pas de facture à payer pourtant, ils n'ont pas de soucis. Alors, alors, il y a différents paramètres, mais un des yisodot, c'est le suivant. Le Yetzer Hara, il essaie de nous convaincre que si on se lâche dans certains domaines, donc là, il y a la Touma, on peut, ouais, dans certains domaines où il y a de la Touma,
Ça va nous permettre de respirer. Sans, hein, on est un peu restreint. Là, on se lâche un petit peu, après, on revient. Mais la Touma, au lieu de réjouir, elle accable. C'est le Taout. Parce que, en fait, c'est un cycle infernal. Parce que quelqu'un, il consomme de la Touma pour se. Mais en réalité, après avoir consommé ça, il est encore plus accablé. Donc il a encore plus besoin de la Touma. Et encore plus besoin de la Touma, et encore plus besoin de la Touma, et encore plus besoin de la Touma. Jusqu'à quand? Rien. Aval, quand quelqu'un il veille à sa pureté, il a de la simcha. C'est ça, c'est là ne pas tomber dans le piège du Yetzirara. Plus il y a de la Tahara, plus la traduction, l'étymologie du mot Tahara, ça veut dire rayonnement. Plus il y a de la Tahara, plus il y a de la Simcha. Moins il y a de pureté, moins il y a de Simcha. Quelqu'un qui fait de la Tum'a, ça a l'air de lui procurer des jouissances. Donc forcément plus d'énergie, plus de joie. C'est faux. C'est faux, c'est exactement l'inverse. Comme quelqu'un qui boit de l'eau salée. Boit de l'eau salée. Il a un court instant le sentiment d'avoir épanché un peu sa soif. Il a la gorge mouillée. Mais en réalité, encore plus soif, et encore plus soif, et encore plus soif, et encore plus, moins de simcha. Quand on veille à sa tahara, c'est là qu'il y a la simcha. Badouk umnousé. Tous ceux qui veillent à leur tahara, ils sont besimcha. Tous ceux qui ne se veillent pas à leur tahara, ils sont be'etsev. Donc la touma, elle génère, donc elle génère malheureusement quelque chose qui obstrue. Et donc la neshama, elle n'éclaire pas. Elle ne donne pas cette énergie, elle ne donne pas cette simcha. Ça, c'est le drame. Ça, c'est le drame de la Touma. Ça, c'est le drame de la Touma. Ça, c'est le drame de la Touma. C'est pour ça que Natati Lachem lève Khadash. Il y a un Shem Ishmoël qui ramène au nom des Kadmonim, un grand chidouche. Il dit, pourquoi aujourd'hui on n'a pas de prophétie? Parce qu'on n'a pas de Simcha. Pour être capable de prophétiser, il faut être Bessimcha. Et pourquoi on n'a pas de Simcha? Parce qu'on n'a pas la Tahara de Efer Paradouma. Ça veut dire qu'on n'a pas, on n'a pas, on est Bessimcha, tout est relatif, ouais, il y a infiniment de niveaux. Mais si on a la Tahara, alors on a la Simcha. La Simcha de Betashueva, Michel aura la Simcha de Betashueva, aura la Simcha Miyama, là-bas c'est de Betahara ou Bikdusha. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est la Simcha. Donc Ad Kedikar, l'importance de Parashat Para. L'importance de Parashat Para, c'est faire souffler un vent de pureté qui va débarrasser de toutes les souillures. Quelqu'un, il vit des fois dans la Touma, il vit dans la Touma. Nir Allo que la Touma lui rapporte un réconfort. Nir Allo que la Touma lui apporte des joies. Avec la four à la four. À four à la four. À four à la four. Et c'est exactement comme il y a des répercussions halakhiques. Celui qui va raconter avec la mort, donc il abîme la vitalité de sa neshama, comme ça c'est. La même chose, quelqu'un les avirote aussi. Et c'est ça, donc quand il y a la avira, il y a moins de simra. S'il y a moins de simra, on tue quelque chose. Donc le cœur est un lev even, c'est un cœur de pierre, parce qu'il est insensible. Natati lachem lev chadash. Aussi il a moins de simcha. Donc s'il a moins de simcha, il est moins dynamique. Quelqu'un qui est besimcha, il est dynamique. Quelqu'un qui est be'etsev, il se recroqueville. N'est-ce pas? Vous avez des gens qui adorent parler. En général, c'est l'expression d'une simcha. Celui qui est atsouv, il se recroqueville. Il n'aime pas parler, il est atsouv. Aval roi chadasha. Ça c'est donc l'importance de la tahara. Et ça, c'est l'importance de s'inscrire dans un. C'est comme ça que HaKadosh Baruch Hu peut venir résider pendant Nissan. Donc, on se prépare au mois de Nissan, au dynamisme et le renouveau que va nous offrir le mois de Nissan, en nettoyant un petit peu, pas simplement la maison, mais nettoyant certaines toum'ot qui viennent obstruer. Et Zoché Bezrat Hashem, ce Shabbat, à Lev Hadash et Roi Hadasha, et Ten Bekir pas